Monaco, ça fait partie des joies et malheurs de Paris Match. C'est des relations très complexes, très conflictuelles. C'est un reporter de match, Pierre Galland, qui a présenté Grace Kelly à Reynier de Monaco. C'était pendant un festival de Cannes. Grace, à l'époque, était venue pour présenter le film d'Hitchcock qui se passe sur la côte. Vous ne parlez jamais de votre femme. Je n'ai pas trouvé le temps de me marier. Vous n'avez pourtant pas l'air tellement occupé. Et vous trouvez bien le temps de flirter avec des gamines. Comme par exemple cette petite Française qui vous faisait du charme, mon agent. Avouez que vous cherchez un mari. Ce n'est pas la jalousie qui m'exaspère, mais je suis désappointée par votre manque d'imagination. Et Pierre Galante s'est dit, tiens, il y a un Reynier de Monaco qui a plus de 30 ans maintenant, qui est célibataire, ce serait amusant de lui présenter Grace Kelly. Donc, on l'amène en voiture décapotable. Grace Kelly jusqu'à Monaco, Reynier accepte et on semble qu'il se promène, Reynier qui lui montre le jardin, les pans, et c'est le coup de foudre immédiat.